par rapport à vos proches, à vos amis, à votre famille? Comment vous considère-t-on? Oui, c'est pas un malade antipathique. Hein, ce n'est pas mal vu, je veux dire. C'est pas comme d'avoir une maladie très contagieuse, quoi. D'abord, ce n'est pas contagieux. Mais c'est vrai quand même, malgré tout, dans ma maison précédente, avant que les horloges ne déménagent ici, les horloges envahissaient la maison comme la mérule, hein, prenaient de petit à petit une pièce après l'autre. J'ai dû louer une pièce, une salle, une cave dans un hôtel à côté, par exemple. Mais petit à petit, vraiment, ça devenait très envahissant. Et c'est vrai que ma famille commençait à en avoir un peu marre. C'est alors que vous avez décidé d'ouvrir ce musée? Voilà, c'est quand on a quitté cette maison, on a déménagé dans une autre maison, et ma femme a très clairement dit qu'elle déménageait dans une autre maison que les horloges. Donc, je recherche un entrepôt, et le meilleur entrepôt que j'ai trouvé, le meilleur, le plus beau et le moins cher et le plus pratique pour moi, c'était ceci. Et l'art déco s'harmonisait bien, l'art déco de la maison s'harmonisait bien avec la collection. Donc il y a vraiment une idée de cohérence. Voilà,